one day how we go make up. If they first make up before you sang go no take if you shot me for back I go take a smell and shock up. Now go to my home. Mais tu vas placer comme ça, tu vas lâcher ta frappe. Tu vas toquer à Rickway, tu vas ajouter le bas. Tu vas taper, frapper, fouetter jusqu'à ça gonfle. On est fort. Allez-y, hein, il faut remplir la scène, hein. La star. C'est chaud. Chers amis, bonjour messieurs, mesdames, bonjour à vous tous qui êtes là aujourd'hui pour la deuxième journée de la 14e session du Ciné Club Nka. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur, qui a commencé depuis hier, d'avoir dans cette salle le père du film que nous avons vu, le père du Ballon d'Or, en la personne de Cheikh Doucouré qui est venu de Paris pour vous. Applaudissez pour lui. Il est là devant vous. Merci. Et il n'est pas venu seul. Il est avec un autre tonton que vous ne pouviez même pas imaginer que vous verrez. Il s'appelle Tonton Makakoto et c'est un grand homme de culture qui est venu du Québec pour vous. Applaudissez pour lui. Ils sont tous des hommes de cinéma. Ils sont venus partager avec vous la passion qui les anime. Aujourd'hui donc, comme d'habitude, nous aimons choisir des films inspirants pour vous raconter votre propre vie à travers le cinéma.
Aujourd'hui, on a choisi le Ballon d'Or. Et il a accepté, M. Cheikh Doucouré, de venir partager avec vous ce que vous ressentez, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a poussé à faire le film. Le film fait 1h30. Je vais vous donner le résumé, très rapidement, avant qu'il ne vous dise pourquoi il a fait ce film. Le Ballon d'Or, c'est ce film qui raconte l'histoire d'un jeune Guinéen bandian, d'une douzaine d'années, passionné de football. Il court très vite et ses copains l'ont surnommé le Turbo de Makono. C'est du nom du village où il vit. Sarah, le féticheur, a prédit qu'il serait un grand footballeur. L'avenir lui donnera raison. Ce film a été fait en 1994. Alors, Cheikh, raconte-nous, d'où est parti ce film ? Bonjour et merci d'être venus si nombreux pour voir ce film et surtout les enfants. Ce film, j'ai voulu le faire pour rendre hommage aux footballeurs africains, quels qu'ils soient, sans frontières. Parce que le personnage de Salif Keita, qui est le directeur de l'école du centre, a été le premier ballon d'or africain. Et je voulais rendre hommage à cet homme qui a quand même été un grand footballeur. Et en même temps, Roger Milla, qui est camerounais, qui en 88 ou 80, à la Coupe du Monde, a quand même fait rayonner l'Afrique en marquant ce but mémorable. Et que même les enfants guinéens ont créé une chanson pour Roger Milla pour lui rendre hommage. Ce film, c'est un mélange d'hommage aux Africains footballeurs de l'époque. Et je crois que c'est important que les enfants sachent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique, en dehors de l'argent, en dehors de tout ça, mais leur image, qui a été quand même un grand espoir pour le football africain. Ce film a été fait justement pour rendre hommage à ces hommes, à ces pionniers-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. J'ai voulu le faire, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait de la relève. Cet enfant qui est bandian, qui était passionné de football, comme tous ces enfants-là à l'époque qui sont devenus grands et qui ont fait rayonner le football africain. Donc, ce petit-là espère devenir un grand footballeur, comme il le dit d'ailleurs. Et ce qui ressemble à la vie de Salif Keita, il arrive à Paris, il prend un taxi, il va à Saint-Étienne. Saint-Étienne est à 500 km de Paris. Lui, il pensait que c'était un quartier de Paris. Il a pris un taxi, il est arrivé à Saint-Étienne. Ce qui fait que ça coûtait très, très cher. Et cet hommage que la ville de Saint-Étienne rend toujours à Salif Keita, qui vient de disparaître il y a quelques mois seulement, hélas. Et depuis sa mort, c'est la première fois que je prends la parole devant un public pour parler de Salif Keita. Alors, donc, ça, l'occasion m'est donnée ici, en terre camerounaise, en terre de Roger Milla, qui aussi, avec ce but mémorable, qui a quand même fait rayonner le football africain. Dans ce cas, c'est un film qui rend hommage aux footballeurs africains, quel qu'il soit. Très bien, applaudissez voilà. Pour nous-mêmes. Les Africains sont forts. Nous allons donc regarder ce film d'1h30. Voilà. Et puis tout à l'heure, après le film, vous allez poser des questions. Mais je ne vais pas oublier d'annoncer la présence de Marcus Davies, qui est le conseiller politique du Haut Commissariat du Canada, qui est là aussi pour échanger avec vous. Et également, cette école International School, Quality International School, qui est conduite par sa principale, Madame Roxine, qui sont là aujourd'hui. Applaudissez pour vous et à vous les cinéphiles et les professionnels qui êtes là pour qu'on puisse voir ce film ensemble. Alors installez-vous bien, coupez vos téléphones. Nous allons regarder le Ballon d'Or. 522,87 jours, ça fait combien d'années ? Beaucoup d'années. Alors, on n'aura jamais ce ballon-là. Bandian, comment ça va mon grand ? Ça va ? Oui.
Tiens, c'est pour toi. Il est un peu usé, mais je crois qu'il te servira. Tu pourras dormir tranquille, les esprits ont prédit la fin de tes ennuis. Interviewer les anciens. Sarah, peux-tu nous donner brièvement tes impressions? Écoute, tu sais que je n'aime pas l'impolitesse. Allez, va jouer. T'as compris? Va-t'en, je veux pas te voir ici. Vous n'avez aucun respect pour les gens. Va-t'en avant que je te mette le feu au derrière. Et c'est pareil pour les autres. Que j'en attrape encore un rôder par ici et je lui donne une correction, espèce de... Ici, c'est où? Ici, c'est Kissidougou, terminus. Hé, petit! Donne-moi le ballon. C'est mon ballon. Donne-moi le ballon, le match est en panne. Quel match? Quartier Coco contre préfecture. Je pratique, je joue. Non, tu es trop petit. Non, non. Couilleté! Que j'ai fait, pourquoi moi? Carton rouge! Maintenant tu sors! Je fais d'abord, vous voyez. Mendiant, allez, allez, applaudissez pour nous. C'était fort le film. Encore, applaudissez très fort. C'est un très beau film, le Ballon d'Or. En présence du réalisateur, scénariste et acteur dans le film, si vous l'avez reconnu. La dame en prison, c'était lui, Cheikh Doucouré. Applaudissez pour lui. C'est tellement fort comme film, tellement vrai. Un film, comme il a dit au début, en hommage à tous les grands footballeurs africains, les ballons d'or africains, d'où le titre du film. Alors, combien d'années après, 1994? Eh bien, pas mal d'années. Il faut comme dit dans le film, pas mal d'années. Et je suis particulièrement ému aujourd'hui pour présenter ce film ici à Yaoundé. Parce que ce film, je l'ai fait pour rendre hommage aux grands footballeurs africains qui, pour moi, ont quand même monté le football africain au sommet d'une montagne qu'on pensait ne pas pouvoir gravir. Et cela grâce déjà à Roger Milla, ici présent. Roger Milla qui a marqué... Venez avec moi. Venez avec moi. Roger Milla est là, on a vu le film ensemble. Roger, merci d'être là, merci. Vraiment, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous recevoir ici.
à Yaoundé. Et puis, pour montrer ce film à vos enfants, à vos petits-enfants, pour qu'ils se souviennent toujours de vous. Et Salif Keïta, que vous avez peut-être pu rencontrer, et Salif Keïta qui a aussi tourné dans ce film. Karim, l'entraîneur. Karim, et je voulais rendre hommage à ces footballeurs africains qui ont fait vraiment le football tel qu'il est aujourd'hui, beaucoup plus encore. Parce qu'à leur époque, ce n'était pas facile pour nous et pour eux de faire ce qu'ils ont fait. Et cet exploit mérite d'être connu. Les enfants, Roger, vous n'appartenez plus au Cameroun. Vous appartenez à l'Afrique et au monde. Exact. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est ça, Roger. Quand on dit quel est le président camerounais, on dit, ah, on ne connaît pas. Mais qui est Roger Milla? Ah oui, Roger Milla, le grand buteur, le grand footballeur. C'est ça, Roger. Vous n'êtes plus Camerounais, vous êtes Africain, vous appartenez à l'Afrique et au monde pour ce que vous avez fait. Alors, on va lui donner le micro. Oui. Je crois qu'il a été très ému parce que le nom, j'avais l'impression, voilà. Tout le temps, Roger Milla. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Excellence? Les jeunes Guinéens, ils ont fait une chanson spécialement pour Roger en disant « Roger, vas-y, marque le but, Roger marque le but ». On l'a entendu dans le film. Il y a des enfants de 5-6 ans qui ont composé cette chanson. Et Roger... C'est un grand plaisir pour moi et aussi... Dites-nous ce que vous avez ressenti. Salif Keïta nous a quittés il y a quelques mois et voilà, Roger l'a connu et c'est très bien qu'on puisse au moins lui rendre un peu hommage à lui aussi. C'est une joie immense, surtout plein d'émotions. Émotions parce que Karim, dans le film, il était pour moi un grand frère. Et il nous a laissé il y a quelques semaines. Ouais. Et ça a été un très, très grand coup pour nous. Nous avons envoyé quand même des messages à la Fédération malienne de football pour lui rendre hommage, pour dire à sa famille que nous sommes derrière, avec nous compatissons avec eux pour le départ de Salif. Salif, on s'est connu vers les années 72, après la Coupe d'Afrique ici. Et après, bon, on est resté vraiment, je dirais, amis, comme vous voulez, grand frère et petit frère. Quand vous voyez comment Salif jouait, il y a quelques touches de moi qui viennent de lui aussi. Et il m'a beaucoup fait plaisir. C'est pour ça qu'on est resté des amis. Il m'a invité au Mali, à Bamako, où j'ai été reçu par le président de la République. Et Salif était avec moi. Et le président lui a dit, tu peux maintenant sortir, je suis avec le grand Roger. Juste pour lui dire que ce qu'il avait fait est extraordinaire. Bon, c'est dommage qu'il soit parti comme ça et nous laisser. Bon, mais bon, c'est la vie, c'est le Seigneur, c'est lui qui décide. Et le film, ça vous a fait quoi? Bon, c'est la deuxième fois que je le vois. Ah. La première fois, c'était dans l'avion. Dans l'avion de Paris jusqu'à Yaoundé. Je n'ai regardé que ça. Bon, je crois que c'est un peu l'exemple de ce qui se passe actuellement en Afrique, de ce qui s'est passé. Et on a supporté tout cela. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose parce que c'est trop facile aujourd'hui pour nos enfants d'aller en Europe. Il y a des grands médias, il y a des gros sponsors. Il y a des gros sponsors, il y a beaucoup d'argent. Donc, je dis toujours à celui qui veut entendre que c'est le destin. On ne peut pas lutter contre le destin. Dieu a décidé que nous, on va jouer pour l'image de l'Afrique. Ceux qui viennent aujourd'hui vont jouer pour l'argent. Et aussi pour l'image de l'Afrique, on oui, le souhaite. Non, tout à fait, pour l'image de l'Afrique, mais l'image
d'aujourd'hui n'est pas comme l'image d'hier. Tout à fait. Parce que nous, hier, on a quand même mis le football africain à la place qu'il méritait. La place que l'Afrique mérite pour le continent. On a mis ce football-là. Et je pense que vous avez vous-même dit que il a atteint les sommets des montagnes. Exactement. Et que c'est difficile d'aller le cueillir là-bas. Et je pense qu'il va continuer de cette manière. Et nous, derrière, on est satisfaits. On continue à accompagner nos jeunes. Nos enfants et autres pour que l'Afrique soit toujours le meilleur. Gagnante. Soit non seulement gagnante, mais meilleure au monde. Meilleure. Applaudissez pour ces beaux mots. Mais Roger Mila, vous avez vu ce film, cet enfant qui se bat pour pouvoir arriver au bout de cette passion. Est-ce que c'était le cas pour vous? Parce que votre nom est revenu tout le temps. C'est-à-dire que Cheick a réussi à rappeler ce que vous avez apporté au monde. Cet enfant qui se bat, mais qui est un bon enfant, hein, parce que nous sommes devant des jeunes à qui nous voulons faire comprendre qu'une passion doit être entretenue, mais également entourée de plusieurs valeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Juste un petit mot, oui. Comme dit Roger, à leur époque, les choses n'étaient pas aussi faciles. Il n'y avait pas de possibilité d'entraînement et c'était la passion. C'était la passion pour ces gens-là. Et pour moi, c'est au-delà de l'argent. Ce sont les pionniers. Ce sont les pionniers qui ont fabriqué, forgé le football africain et le monté où il est aujourd'hui. C'est eux qui sont au sommet. C'est les drapeaux. On n'arrive pas à atteindre le drapeau. Pour moi, c'est eux les drapeaux. Roger Mila, ça revient. Le film a été tourné en 1994. Et jusqu'à présent, en Guinée, les enfants se rappellent de Roger Mila, ceux qui sont nés bien après. C'est ça qui fait qu'aucun d'entre eux ne peut atteindre le drapeau. C'est pour ça que vous êtes au sommet de la montagne et ça va au-delà de tout, de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Il y a beaucoup de fric, mais vous valez plus que le fric. Exactement. Voilà. C'est ça, vous êtes au-dessus du fric. Voilà. Il n'y a pas que l'argent. Voilà. Non, je voulais tout simplement dire que à notre époque, c'était difficile, c'est vrai. Mais nous, on avait eu la chance d'avoir un championnat scolaire et universitaire ici au Cameroun. Et c'est ce championnat scolaire qui nous a permis d'avoir un nom. Parce que chaque établissement au Cameroun aussi avait son équipe. Et le ministère de l'Éducation a réussi quand même à mettre en place un championnat pour que nous puissions nous rencontrer entre nous, les jeunes. Et ce championnat, il était même plus fort que le championnat du Cameroun. C'était les Jeux au sucre, je crois, non? Les Jeux au sucre. Au sucre, voilà. C'était les Jeux au sucre. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'on ait plus ces Jeux au sucre, parce que c'était vraiment de la bataille. Je crois qu'on n'invente rien. Chaque établissement voulait gagner. Tout à fait. Et donc, ça nous a permis de sortir du lot et avoir une équipe. Moi, après le football scolaire, j'ai commencé à une équipe de deuxième division à Douala, l'éclair de Douala. Et j'ai fait 3 ans là-bas pour faire monter cette équipe en première division. Et c'était très, très compliqué, très difficile. Et après, bon, le feu docteur Kindi, qui était président de Léopard de Douala, il est venu me chercher pour le Léopard. Je suis parti dans le Léopard en 70. Et 70, 71, 71, 72, j'ai mis le Léopard au plus haut sommet, puisqu'on était champion du Cameroun, dans le football professionnel du Cameroun. On était champion du Cameroun pendant 2 années successives. Et après ces 2 années, je suis venu à Yaoundé, au tournoi de Yaoundé. Bon, le tournoi de Yaoundé, on a gagné la Coupe du Cameroun, on a été champion d'Afrique. Et en 1977, bon, j'ai plié bagage pour l'Europe. Vous êtes parti en Europe, comme le Bandian. Oui. Excusez-moi, tout à fait. Roger, vous m'avez raconté une anecdote à Conakry. Vous aviez joué contre la FIA Club. Tout à fait. Et par rapport à Sékou Touré, puisque c'était les années de l'indépendance,
s'il vous plaît, racontez-moi à nouveau cet épisode que vous m'avez déjà raconté à l'année, qui était formidable. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le Afia Club, c'était le... Écoutez. Le Afia Club était le club le plus fort en Afrique. C'est un club qui était intouchable, imbattable. Même les pays européens, quand ils venaient jouer contre le Afia, Afia sortait toujours vainqueur. Donc, nous, dans le Léopard, on était encore tous des jeunes. On allait encore à l'école et tout. Dans le championnat, on tombe qu'on est champion de Cameroun et on doit être joué le championnat d'Afrique. Et on tombe contre le Afia. Tout le monde nous dit, bon, votre tour s'arrête là, c'est perdu. Vous pouvez pas aller. Vous allez partir. Bon, on s'est débrouillé, on est parti à Conakry. On avait le match aller, on l'avait perdu. Non, le match aller, c'était à Conakry, justement. Donc, on est parti à Conakry. Et la veille du match, on était au stade pour s'entraîner. Le ministre des Sports de Conakry est venu nous voir pour nous dire que c'est vous, Horus de Douala, ou bien Caïman de Douala. On leur dit non, nous, c'est le Léopard de Douala. Oh non, vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas jouer contre la FIA. La FIA est trop fort pour vous. Bon, tout jeune qu'on était, on s'est mis à pleurer. Et le docteur de Kindi, qui était là, il nous dit, il n'est pas en Douala, hein, il dit, les enfants n'ayez pas peur. Hein. Dites comment il vous a dit en Douala. il dit, Biolo Wabongo. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bon, il y a des balles. Le football, c'est le football. Donc, vous pouvez gagner. On est parti jouer le match. Et le ministre, avant de partir, nous dit, il nous donne même le score, hein, qu'on va perdre 7-0. Alors, vraiment, c'était les larmes pas partout. Oh. On dit 7-0, on va rentrer au Cameroun avec 7 buts. La honte. Encaissés, c'est la honte et on ne pourra pas les... Donc, le lendemain, on était au stade. 15 minutes de match, on était déjà mené 2-0. Wow. 15 minutes, 2-0. Nous-mêmes, nous sommes dit, oh, c'est fini, c'est perdu. On revient à la deuxième mi-temps, d'autant qu'il nous dit, ne craignez rien, allez-y, on verra. En deuxième mi-temps, on est reparti. Et ça, on dit souvent que quand on a la foi. Le Hemley. Quand on a la foi, quand on croit à ce qu'on fait, on peut percer les montagnes. Il y a juste une petite pluie fine qui est tombée sur le stade. Elle n'a même pas duré 10 secondes. Elle est tombée sur le stade. Bon, comme nous, on était beaucoup plus habitués au sol mouillé. on a laminé la FIA. Oh là là, combien? 4-2, on a gagné. Oh, applaudissez pour moi. Ça, c'était le Grimba. Et j'ai marqué 3 buts. Sur les 4. J'ai marqué 3 buts sur les 4. Wow, quatre. Incroyable. Après le match, les supporters de Afia sont venus entourer notre voiture. On pensait qu'ils allaient venir taper sur nous. Non. Ils disent qu'ils vont nous accompagner jusqu'à notre hôtel. Wow. Parce que ce que nous venons de faire là, c'est impensable. Impensable. On n'avait jamais vu ça. Une équipe battre le Afia. Le lendemain, oui. Le président de la République, Sékou Touré, nous invite au palais. Il dit qu'il veut nous recevoir. On s'est dit, mais quand on écoutait les infos de Sékou Touré, on s'est dit c'est fini, on va plus rentrer au Cameroun. Ah, il nous a reçus, vraiment, il était lui-même émerveilleux. Oh, c'est super. Il était lui-même émerveilleux. Et il vous a donné quoi? Le livre vert là. Merci. Qui avait la politique dedans, il y avait tous les gens qui voulaient venir attaquer la Guinée. Ok. Et voilà, il nous a remis ces bouquins.
et il nous a vraiment beaucoup félicités. Oh, le léopard est donc devenu un gros léopard. Quand je me suis mis à écrire ce film, je me suis dit, Rogier est tellement important pour nous qu'il faut absolument lui rendre cet hommage, ainsi qu'aux autres footballeurs, bien sûr. Mais Rogier, pour nous, son nom revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que même les enfants qui n'étaient pas nés encore se souviennent de ce que Rogier a fait. Voilà. Alors, disons que peut-être à travers ce match et d'autres exploits, que je suis resté un Guinéen, je suis Guinéen. Comme moi, je suis Camerounais. Guinéen parce que chaque fois, j'ai des coups de fil. Il y a des parents qui ont donné le Rogier Mila. Oui, bien sûr, on a donné le nom de Rogier Mila. Il me demande d'y aller. Bon, j'attends d'avoir un moment beaucoup plus calme pour y aller. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Beaucoup. Non, mais il faut organiser ça parce que le destin a voulu qu'aujourd'hui vous acceptiez au pied levé de venir regarder film ça, en présence de son réalisateur. Et moi, quand je le regardais, c'est vrai que j'entendais Rogier Mila, mais je ne m'étais jamais imaginé qu'on se retrouverait dans cette situation où dans cette salle Citabella pour le Ciné-Club Nka, vous seriez là, et lui aussi. Vraiment, nous sommes très forts. Ce que j'aimerais, que Rogier vienne avec moi en Guinée, qu'on projette le Ballon d'Or, et que les Africains, les Guinéens aussi, se reconnaissent dans Rogier, de ce qu'il a fait, lui rendre cet hommage. Bon, maintenant, je suis un peu fatigué, mais j'ai encore la volonté et la force. On va organiser le Ciné-Club Nka de faire Conakry. Ça, en sorte que Rogier puisse être là. On va organiser le Ciné-Club Nka à Conakry. Merci. Sera fait. Merci. Et je pense que vous allez nous aider à le faire. On va partir en Guinée. On va organiser le Ciné-Club Nka là-bas, en sa présence. Ceux qui veulent prendre l'avion, on y va. Bravo. Merci Rogier, merci d'être là. Merci. On est très fort. On a la chance d'avoir dans la salle des personnalités qui vont sûrement nous aider et qui ont sûrement un mot à dire sur ce très beau film. La présence de cet ambassadeur qu'on ne présente plus, Monsieur Makakoto, Tonton Makakoto. Est-ce que je vous passe le micro? Que dire? Je suis très ému déjà parce que c'est la première fois que je me retrouve aux côtés d'une inspiration, de l'incarnation d'une inspiration, une grande inspiration qui a touché beaucoup de gens de notre génération. Au Québec, au Canada, où je vis, il y a un groupe de cirque international qu'on appelle le Cirque du Soleil. Et ils ont comme slogan « Sky is the limit », le ciel est la limite. Et quand on voyait Rogier Mila et ses acolytes sur un terrain de football, c'est ce qu'on ressentait. Il n'y avait pas de limite. Il y avait un talent qui transpirait et qui inspirait et qui suscitait beaucoup d'orgueil, de fierté en nous. Quand ces enfants, comme nous à l'époque, cherchent des modèles de référence, des modèles d'identification, des modèles positifs, c'est des modèles comme ça. Et merci que vous soyez toujours vivant. Oui. La grâce de Dieu. Parce que, oui, le temps passe. Mais le fait que vous fassiez ce témoignage capté par la télévision nationale, notamment, ça va rester un document qui, des générations encore, va servir. Je veux dire aussi que, on parle de la Guinée, du Cameroun, du Sénégal, de toutes les équipes d'Afrique et autres. Quand les équipes africaines jouaient, l'Afrique était unie. Quand l'équipe du Cameroun jouait, notamment avec Rogier Mila, le Cameroun était uni. Il n'y a pas plus puissant discours politique que le sport. Il n'y en a pas. Et je suis certain que si on donnait ou on rendait à César ce qui appartient à César, ces ambassadeurs du Cameroun seraient les personnes les mieux désignées pour aplanir les tensions, les divisions, les guerres au Cameroun et au-delà. Et ça, il faut y penser, il faut réfléchir. Parce que je le dis objectivement, j'ai fait de la politique pendant 15 ans,
les hommes et les femmes politiques, quel que soit le pays, ne sont plus crédibles aux yeux de leur population pour moult raisons. Ça peut être en Amérique, ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique, ça peut être en Amérique latine. Mais ces personnes qui ont incarné des passions, qui ont défendu leur drapeau, qui ont unifié leur peuple, sont encore beaucoup plus crédibles. Et ils donnent l'exemple par l'action, pas par le discours. Merci, Roger. Merci, Roger. Merci, nous allons passer. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole dans la salle. Les enfants, les jeunes, vous avez vu, oui, vous pouvez répondre quand on va vous poser des questions. Vous avez vu le film, vous avez écouté ces illustres aînés, ces papas. Quelqu'un aurait une question? Librement, feel free, say what you feel, what you saw. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce film? Merci beaucoup tout le monde. Je suis conseiller politique pour Canada, donc nous sommes invités ici et je pense que le film était bien et c'est toujours bien de voir les enfants. Donc, je sais que Cameroun et Canada jouent aux Coupes mondiales cette année. Cameroun a battu qui? Dernière équipe à la fin? Qui? C'est Brésil, n'est-ce pas? Oui, donc félicitations. Et Canada, on n'a battu personne. Donc, peut-être bonne chance la prochaine fois. Moi aussi, j'ai entendu parler de Roger Miller. Et l'équipe, les Lions de Cameroun sont connus partout. Et évidemment, quand j'ai pensé au Cameroun, j'ai pensé des Lions et le football, donc c'est connu. Mais même au-delà de l'équipe, la danse, Roger Miller, est connue pour les buts. Donc, moi, j'ai joué quelques matchs, mais je n'ai jamais compté un but parce que je pensais, OK, quand je le fais, quand je vais compter un but, je vais faire la danse et je vais étonner tout le monde. Mais je n'ai jamais eu la chance, OK? Donc, mais j'imagine qu'il y a des footballeurs ici, des jeunes. Est-ce que vous connaissez la danse, Roger Miller? Qui okay. connaît la Est-ce danse? Est-ce que quelqu'un lève la main? Qui? Tu le sais? OK, viens oui, ici. Oui, viens nous montrer la danse de Roger Miller. Oui, viens, parce qu'on va faire viens un concours. Faire, quelqu'un d'autre le sait? Oui, tu le sais? OK, oui. viens. Tu Qui le vient? Sais? Scotty, il est où? OK. Mais Scotty, viens là, viens, t'es un footballeur, viens danser. OK, tu sais la danse? OK. La danse de Roger Miller. Parce que ce qui est important, hein, donc vous avez les réalisateurs, mais je pense que j'ai parlé à chef, que vous avez dit que votre héritage est les jeunes, l'influence qu'il fait. Donc Exactement. Maintenant, on va tester l'héritage et on va tester l'héritage de Roger Miller. Donc, Roger, vous êtes le pionnier. Donc, vous allez juger les danses, OK? Donc, OK, on a besoin d'autres personnes, OK? Qui d'autre? Viens. Wow. OK. Tu le sais? OK, viens. Ah oui. Donc, qui veut le faire? Parce que c'est la chance d'être jugé par Roger Miller. Allez, donc, devant moi. OK. La danse de Roger Miller. OK. On va applaudir, on va taper dans okay, les mains. OK, on va applaudir. Hein? Oui, ouais, on va applaudir. Tac, 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 tac. OK, non, OK, tac. Mais attends, on va faire une par une. OK? Donc, vous allez voir. Donc, on va commencer ici ou ici? Vous décidez. On commence ici ou ici? OK, on commence ici. Roger, donc Roger, vous allez juger la danse? Oui? Tapez dans les mains. Oui, vous êtes OK. Tac, 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 OK, tac, tac, vas-y. Tac, OK, il a le ballon, il a le ballon, il avance, il va compter un but. Vas-y. Tu vas danser. Danse, Roger Miller. Ah, le pauvre. OK, je ne sais pas. OK, tu sais? Il a le but, il avance, il a compté un but. OK, vas-y, tu as compté un but. Applaudissez pour lui. OK. OK, c'est à toi. Avancez. Il a le bon, il a avancé, il a tiré un but. OK. Bravo. OK, ça serait très bien. C'est à votre tour. OK, il reçoit le ballon, il avance, il fait le but. Bravo. Vas-y, il a le ballon et un but! OK, OK. Et dernière, un but!
Oh! OK. Roger, est-ce que vous voulez faire le juge? Qui a gagné? Qui était la meilleure danse? Parce que c'est toi qui es l'expert. Et messieurs, ici, 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 ici. Et là-bas. OK, tu peux identifier les trois. On va faire un concours entre les trois. Il y a trois à peu près qui ont fait le geste qu'il faut. OK, c'est qui? Avancez, donc on va faire la danse. Et deuxième? C'est la rouge aussi. Oui, la rouge, vas-y. Et le garçon là-bas. OK, tu avances. OK, donc c'est les dernières maintenant. OK, il y a trois. Donc on fait or, orange, bronze, mais on va faire... Donc, on va commencer ce côté, OK? Il reçoit le ballon, il tire et un but! OK. OK, vas-y, c'est toi. Wow. Et dernière. Wow. OK, de trois, qui a gagné? Non, je pense que les trois ont gagné. OK, bravo, bravo. Merci bravo, beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci, Marcus. Merci. OK, merci beaucoup et merci pour le film et merci aux enfants. Oh, merci pour cette belle expérience. Ouais, okay. Merci beaucoup. Wow. Incroyable. Voilà, nous venons de mettre à défi pour la danse du lion, la danse de Roger Mila. Applaudissez encore pour nous. Bravo. Donc voilà, merci beaucoup. On va écouter les jeunes. Devant ce beau film, qui a quelque chose à dire? Le Ballon d'Or, dites-nous juste ce que vous avez ressenti. Je vois une main. On va commencer par la jeune dame. En fait, j'ai ressenti de l'émotion, de l'encouragement, parce que j'aime beaucoup le sport, surtout le foot. Et le fait que j'ai justement suivi le nom de... mon modèle, mon fan, qui est Roger Mila, parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui m'a motivé d'aimer le sport. Et je suis vraiment fière de lui voir aujourd'hui. Parce que... Oh, my daughter, viens, tu vas le saluer. Elle est très émue, Roger. Elle est très émue. Allez. Incroyable, ah ben, ça va aller, c'est bien, l'émotion, oh, c'est beau, allez, c'est merci, bien, mademoiselle. Tu vois, merci. Il est là, Roger, tu l'as rencontré, c'est et c'est formidable, c'est tu peux continuer à rêver pour être comme lui, ok, ouais. Alors dis ce que tu as à dire, ça c'est Cheikh qui l'a suscité ça, dis-lui ce que tu penses. Je pense que le film a été bien. Ça a vraiment été bien réalisé. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il a fait du bon boulot. Et il m'a vraiment touchée. Et il m'a motivée de rêver plus. Et j'ai trop aimé parce que ça concernait le sport. Et ça m'a vraiment motivée à continuer ce que moi j'aime bien faire. Et merci beaucoup. Il faut continuer. Comment tu t'appelles? Madeleine. Madeleine, applaudissez pour Madeleine. Bravo, Madeleine. Merci, Madeleine. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a eu la Coupe du Monde du football féminin, que ce sont les Espagnols qui ont remporté la Coupe du Monde. Et on espère un jour qu'ici en Afrique, il y aura une équipe de femmes qui va aussi remporter la Coupe du Monde du football féminin. Très bien, voilà. Merci. Donc, le principal wants to say something about you, Madeleine. Oui, okay. Madame Roxine, on vous écoute. Okay, thank you so much. I want to say I'm proud to have this kid watch this, and it has to build your passion, your talent, and our cry is that education should be productive. I'm just crying. I shed the tears because I was like, this thing should just flow into the educational system, and that the sports that we program in school should just be this kind of, you know, atmosphere, so that people with that passion can catch it. I see like three or four different talents in this one thing, and I was like, sure, we didn't miss it coming here. Now, talking about Mado, she's aspiring to be the sports prefect. She's in lower seat, and she plays football.
you know, in the month of February, we always allow the students to express their talent, even in football, whether boys or girls. They do inter-class competition, and she's always like having that passion for sports and coordinating the girls to play football. So I'm very proud to see you here. I had to take the mic because my heart too is so emotional. I'm so proud to see you and to see our daddy, Roger Miller, in the world of football. We're so proud of you. You know, coming face to face, I'm just like, after this, with all the pictures, the children will be like, because after scenarios like this, students in Form 1 and the rest will project it and they watch what has happened. And we are like, all this kind of stuff, even to pass 2 minutes in a school, it means so much. Just to just pass and say hi, it means so much to the children. You know, just to like, wow, you know. And I'm like, this is my first time watching it. I didn't even know where we're going to, but I just know there'll be an exposure. So yeah. I'm like, kids, let's go. Everybody wanted to come, but we just had a bus full. So we're just like, okay, let's go. We can organize it. Okay. We have the producer, director here. Right. If he gives us the authorization, right, we will show it in your school. Period. That can Thank be done. You. Thank you. We Thank just you. Need to complete our equipment. Thank you. Everything is possible. Thank you the so much. The cine club is here. Right. But we can have a cine club that is walking around right. because we want the spirit to go all oh, over. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I'm going to share with my friends that have schools. Yes. You know, anything that is happening, we'll have like more than 10 schools involved. You should be here. We need to have a bigger hall than this. That's right. Thank you very much. Trust me, I'll volunteer for that. Oh, thank you, Roxane. Right. La salle sera trop petite bientôt, mais il y aura toujours, même s'il faut qu'on le fasse dehors, on le fera. Parce qu'ici, nous voulons que la passion règne. L'amour, la passion et la foi en soi. C'est ce qu'il a dit. Il faut avoir la foi. Et je crois que c'est ce que nous voulons partager ici. Donc pour moi, c'est un très grand honneur d'avoir de très grands noms du domaine du cinéma, également du domaine du football. Je suis tellement ému. Parce que j'ai l'occasion de voir le grand Roger Mila, juste à quelques mètres. Pour moi, c'est un très grand honneur. Et le message que j'ai tiré de ce film, c'est vraiment l'espoir. Parce que nous sommes dans une société où la jeunesse est vraiment en perte de repères. La jeunesse se croit moins. Et je pense que ces occasions sont la possibilité de faire comprendre aux jeunes que, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ils peuvent aller de l'avant. Parce que si je prends ma petite expérience dans le domaine musical, je peux dire que l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent, c'est d'abord la passion. Or, si je n'avais pas cette passion-là, je ne pourrais pas vraiment persévérer dans ce côté-là. Et lorsque je regarde ce genre de film, ça me motive encore davantage. Et je pense que tous les jeunes qui sont ici sont véritablement motivés. Et vraiment, merci au Ciné Club Nka pour cette opportunité-là. Merci beaucoup. Merci aussi d'être là. Merci, applaudissez pour lui. Une autre question. Ah, il y a un petit doigt, tu te présentes et tu me dis ce que tu penses. Tu dis ton nom ? Je m'appelle Papa Solo Michel Jeannette. Pourquoi grand-mère était méchante? Pourquoi grand-mère était méchante? Celle qui a grandi Badian, c'est ça? Oui. Pourquoi grand-mère était méchante? Grand-mère était méchante, effectivement, parce que grand-mère n'accepte pas que son mari ait deux épouses. Alors évidemment, elle n'était pas d'accord avec l'autre épouse qui était la maman de Bandian. Et chaque fois que Bandian faisait quelque chose, la grand-mère disait que c'était la faute à Bandian. Alors que les deux frères, ils s'entendaient très bien entre eux. Et c'est elle qui amenait un peu la division, mais parce qu'elle était jalouse. Tout simplement, grand-mère était jalouse. C'était la marâtre de Bandian. Vous connaissez ce qu'on appelle la marâtre? Bon, on vous racontera, c'est une autre fois. Mais bon, grand-mère était méchante parce qu'elle était jalouse. Une autre question?
Et ici, j'ai une question à poser à M. Roger Mila. Oui, M. Roger Mila, on vous écoute. Alors, Monsieur, Son Excellence, M. Roger Mila, j'aimerais vous demander, quelle était votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre votre rêve? Parce que dans le film, on voit Bandian, à un moment donné, tout le monde le détestait. On dit qu'il est court. On dit que malgré le fait qu'il court vite, ça ne va pas marcher. Il a même dit à son soi-disant grand frère qu'il est fatigué, il va abandonner. Et je suppose qu'en fait, ça vous est arrivé à un moment donné dans votre carrière d'abandonner, de laisser tomber parce que peut-être vous croyez que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas le faire dans la vie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer cette carrière? Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre votre rêve, Monsieur Roger Mila? C'est peut-être maintenant que les jeunes veulent souvent abandonner. Mais nous, à notre époque, on ne pouvait pas abandonner parce qu'on avait la possibilité de faire beaucoup de disciplines. Vous pouvez faire le football, vous pouvez faire le handball, le volleyball, l'athlétisme, tout ce que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas abandonner. Si vous essayez d'abandonner le football, vous serez attiré ailleurs. Donc, ça veut dire que c'était difficile pour nous d'abandonner. Et moi, ce qui m'a attiré, parce que la plupart de tous mes amis de l'école, nous étions tous dans le football. Donc, on se retrouvait pendant la récréation, on jouait ensemble, alors pendant les vacances. On jouait ensemble autour d'un petit beignet avec le haricot et c'était fait. Non, si je comprends bien, quand tu es passionné de faire quelque chose, tu ne peux pas baisser les bras. Tout à fait. Tu es obligé d'aller au bout. Il faut peut-être qu'une blessure vienne te stopper ton élan, mais tu es obligé d'aller au bout. Okay. Il faut croire en son rêve. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, vas-y, rapidement alors. Bon, une dernière chose. Merci déjà d'avoir continué ma question. J'ai vu là, on a remarqué le talent de Bandian et elle a été recrutée pour une école de formation à Paris. J'aimerais demander si cela se passe encore. Si peut-être que vous tombez sur un jeune talentueux, allez-vous donner la possibilité à ce jeune de poursuivre sa carrière? Bon, c'est vrai que cela se passe encore, mais... Moi, comme je le dis souvent, surtout au jour d'aujourd'hui, il faut que nos enfants s'imprègnent d'abord de notre vie africaine. C'est-à-dire que la vie africaine te donne plus de force d'abord avant d'aller en Europe. Parce qu'en Europe, là-bas, ils ont des centres de formation. Ces centres de formation-là, c'est des fainéants qui sont là-bas, dedans, là-bas. je m'excuse de le dire, mais c'est des gens qui n'aiment pas beaucoup travailler. Par rapport à nous, les Africains. C'est pour ça que si vous regardez les matchs de football qui passent à la télévision aujourd'hui, là, tous ces clubs-là n'ont que des Noirs. Parce que nous, on travaille. Le Noir travaille. C'est vrai que le Noir, il travaille pour avoir son pain, mais eux, peut-être, ils ne le font pas parce qu'ils sont déjà assurés de... Parce qu'ils sont, le pain est assuré. Donc, c'est comme ça. Nous, on le fait parce que vraiment... On a de la famille en Afrique qu'on a laissée. Il faut s'occuper de cette famille. Et on est prêt à tout casser pour y arriver. Okay. Super. Je veux juste vous rassurer qu'à Quality, il n'y a pas de feignants dans notre école. Nous sommes tous travailleurs. Nous sommes des bosseurs. Et que cas avec de bonnes valeurs africaines. Quality Donc, si International un jour, School. Si un jour, vous avez la possibilité d'envoyer un enfant talentueux en Paris, la référence est chez nous à Qualité. Oh là là, la pub est faite. Merci. C'est chez nous. Merci. Nous avons la soirée sportive en février. Oui. Donc, mais c'est qui sûr, il y en aura un talent. Ben, vous trouvera des talents là-bas. Oui. Si vous m'invitez en février, je viendrai voir. Wonderful. Applaudissez pour vous-même. Ah! Merci beaucoup. En fait, je voudrais avoir un câlin avec vous, c'est possible. Un câlin avec Roger Mila. Elle est fantastique, cette demoiselle. Applaudissez pour elle. Merci pour tes belles questions. Merci. Oui, Cheikh, c'est une séquence émotion. Ben, il y a eu beaucoup de séquences émotions aujourd'hui. Et ça va au-delà même du film. C'est la communion qui est là entre les anciens et les futurs, parce que je ne dis même pas
les jeunes, mais vous êtes les futurs. Et tout ce que vous avez rendu comme hommage à Roger, c'est ça que moi je cherchais dans le film. Que ces personnes restent éternelles dans vos esprits, dans nos esprits. Parce qu'on dit, nous, on va partir. Hein. Salif Keïta qui fait le président dans le film. Karim, l'entraîneur, l'encadreur. Il est parti. Et nous aussi, on va partir un jour. Mais vous, on restera dans vos cœurs. Et ce que vous avez rendu comme hommage à Roger Mila aujourd'hui, ça va au-delà de tout. Ça va au-delà du film. Et c'est ce que moi, je recherche aussi. Et c'est ce que j'ai recherché dans ce film, cette émotion qui est là. Et encore, en tout cas, tu le disais tout à l'heure, je te remercie. Je remercie le Ciné-Club pour pouvoir créer vraiment une telle émotion aujourd'hui. Et c'est ce que je cherchais aussi dans ce film. Et merci, mademoiselle. Merci à vous tous. Et merci de cet hommage rendu à Roger Mila, que moi, j'ai voulu faire dans le film et que vous le manifestez aujourd'hui en sa présence. Merci. Applaudissez pour ces beaux mots. Oui, Roger Mila l'a dit, renforcez-vous avec ce que vous êtes d'abord en Afrique. Soyez fort avant de partir. Allez vendre au monde la force que vous êtes, la beauté que vous êtes, mais également les personnes de qualité que vous êtes. Voilà. Une dernière petite question, une petite personne, parce que... oui. Yes. Je t'ai pas vu depuis longtemps. Where were you? I'm very emotional after watching this movie. Yes. And I have a question. I would love to ask, sir, what inspired him to act the film? He did not act the film. And what inspired him to proceed? To direct the film. To direct so you're the talking, film. This is the director of the film. Yes. What inspired you to do this film? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce film? Mais justement, ce qui m'a motivé à faire ce film, déjà le football, c'est le sport le plus populaire au monde. Il fallait le faire. Et aussi, ceux qui ont fait ce sport, c'était les Européens d'abord et les Sud-Américains. Et les Africains sont venus et ils sont montés très haut. Et ça, les personnes qui ont justement fait monter ce football, ce sport, ce sont des personnes comme Roger Mela, ici présent, Salif Keïta et bien d'autres, Basile Boli et Antoine Mbel, qui est aussi camerounais. Ce sont ces gens-là qui ont forgé le football africain et qui l'ont monté. Et c'est ça qui m'a motivé pour faire ce film, qui va au-delà de tout. Parce que, attention, pour faire un film, il faut beaucoup d'argent. Il faut se battre. Moi, j'ai fait ce film jusqu'à présent. Je n'ai pas eu d'argent pour moi. Parce que c'est un film d'art et essai. Ce n'était pas dit qu'un film, il va aller partout. Mais quand on le voit, on a l'impression qu'on gagne beaucoup d'argent. Alors, effectivement, ce n'est pas le cas. Mais ce que je gagne, moi, c'est cette émotion. C'est ce que j'ai ressenti ce soir, ce que j'ai vu avec Roger. Et que l'anecdote que Roger m'avait déjà racontée, que je n'ai jamais oubliée. Alors, c'est ça le plus important. Ça va au-delà de tout. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Thank you. I also want to ask, did you direct that film only for those who love football, or you directed it for everyone? What did you feel? He directed for everyone. But okay. I want to know, you're not a footballer. Did you feel something? Actually, I did. So, because after watching that film, I saw encouragement. Yes. That shows that the boy was actually in love and determined to continue with the football. And that the theme of love, determination, encouragement, and sacrifice is what actually touched me. Because if the boy did not actually love football, he wouldn't have further continued, not to talk of leaving the village and going to far without his family being aware of it. And also, determination. He was determined enough to go ahead. He was ready to sacrifice, take any step ahead of him, and do anything possible to become a great footballer. Yes. And love, even not because the people he associated with loved him so much, like the white woman whom he associated with, encouraged him, bought him a football, wish him loved the woman so much,
And he continued to love that woman. He even asked the woman for a favor. Even after leaving his village, he asked the woman to take care of his sick mother. Thank you, Jennifer. Clap for her. We're running out of time, but I think you've said it all. Yes, you've said it all. You want to say something? No. No, you've said it all, and I think you've understood the movie. We thank you for your explanation. Thank you very much. We're going to another one. Last question. Oui, Charlotte. Merci beaucoup. Merci. Une réalisatrice, dis-nous en quelques mots rapides. Charlotte Gomagnon, réalisatrice camerounaise. Je voulais dire, interpeller en fait, parce que le film que je viens de regarder, je l'ai déjà vu 4 fois, et j'ai toujours envie de le regarder, parce que ça interpelle. Donc nous, réalisateurs, aujourd'hui, on doit réaliser les films qui parlent à notre public. Nous, on se tourne vers l'Occident et on occidentalise nos enfants dans nos œuvres. Moi, je parle là pour... enfin, c'est pour nous les cinéastes, hein, parce que ces enfants veulent des modèles et c'est à nous de leur proposer ce qu'ils attendent. Et ça, j'ai aimé dans ce film. Merci pour tout. On est vraiment en train de... presque à la fin de notre émission. Mais, un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot. À ces enfants, à ces cinéphiles. Ce que moi j'aimerais dire, outre la présence de Roger Mila ici aujourd'hui, le temps qu'il nous a donné, je veux vraiment le remercier. Le remercier pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Et bon, le Ciné-Club, vous êtes l'occasion de nous réunir, de faire une telle émotion. Ok, mais il y a une chose que j'aimerais dire. Moi, avant de partir pour le Cameroun, j'ai téléphoné à des amis. Ils m'ont dit, mais si tu vas au Cameroun, fais attention à toi. J'ai dit, pourquoi? Ah, il y a la guerre là-bas, entre les anglophones et les francophones. J'ai dit, mais non, c'est le Cameroun. Le Cameroun que moi j'ai connu, c'est le Cameroun uni. Et je vois aujourd'hui que des enfants qui s'expriment en anglais, d'autres en français, et que nous, nous sommes là, et vraiment, on se sent bien au Cameroun, comme je me suis toujours bien senti au Cameroun. La seule chose que je dirais, c'est d'essayer de prendre des gens comme Roger Mila, qui est aussi bien anglophone, francophone que tout, qu'on se donne la main pour le bonheur du Cameroun. Merci. C'est ça qui compte, le bonheur du Cameroun. Soyons unis. Ça va au-delà de tout. Et que ces jeunes-là, vous devez comprendre que le Cameroun uni est le Cameroun pour tous. Le Cameroun séparé, il n'y aura que la misère. Évitez cela. Et c'est ce que moi, j'aimerais aussi que ce soit pour nous tous, nous les Africains. Merci. Merci beaucoup. C'est ici, donc, va s'achever notre émission, parce qu'il a déjà dit son mot de fin. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que je voudrais vous dire merci pour cette belle journée. Merci pour le temps pris pour être avec nous ici. C'était un énorme, énorme signe d'amour. Merci et à la très prochaine. Au revoir. Au revoir.